On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Pour le petit déjeuner, je vais faire des muffins citron et myrtille. Pour ça, il nous faut simplement de la farine semi-complète, de la levure, 2 œufs, du jus de citron, une petite compote de pommes sans sucre ajouté, de la purée d'amandes de chez Nutri, j'ajoute un peu de curcuma, ça c'est optionnel, c'est pour la couleur surtout. Des myrtilles surgelées ou fraîches. Et voilà ce que ça donne après un petit tour au four. Voilà pour le matin, c'est pas mal d'en manger deux. C'est gourmand, rassasiant et sain. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Vous pouvez aussi l'emporter dans votre sac. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire une quiche sans pâte. Il nous faut toujours de la farine semi-complète, du sel et du poivre, du tofu soyeux, vous en trouvez en magasin bio, 3 œufs, ensuite, j'ajoute une petite boîte de thon égoutté et une petite courgette que j'ai coupée en tout petits dés. J'ajoute aussi du basilic, si vous en avez du frais, c'est mieux. Notre base est prête, un petit tour au four. Avant ça, je vais ajouter quelques tomates cerises. Et voilà ce que ça donne. Je vous conseille de la laisser bien refroidir. Pour un repas complet, deux tranches avec par exemple de la salade verte, c'est très bien. Enfin, pour le dîner, j'ai choisi de faire une grande salade fraîche avec du melon. J'ai donc découpé du melon en petits dés, ajouté quelques dés de tomates. Je me casse vraiment pas la tête. Un demi-avocat. De l'oignon nouveau, simplement ciselé, de la menthe fraîche, j'en mets partout en ce moment. J'assaisonne avec de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre, c'est tout. Voilà pour les soirées d'été, c'est une salade fraîche et tout de même rassasiante. Vous serez peut-être étonné de l'association du melon dans une salade, mais c'est très bon. J'accompagne ça de quelques crackers et voilà. En général, je termine toujours par un dessert, même si je le montre pas. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu.
Je vous laisse le lien des recettes en barre d'infos et je vous fais des bisous.